Hey, on se retrouve en ce début de confinement. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et du coup, je voulais vous faire une vidéo en ce début de confinement. Je vais essayer d'en faire pas mal pour essayer de vous occuper un maximum et de m'occuper un maximum. Ça y est, on est reconfinés. On va essayer de garder le sourire et de pas trop s'ennuyer. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre des cils magnétiques rapidement. Donc honnêtement au début je galérais, je savais pas trop comment faire, je savais pas comment comment mettre, j'avais peur de toucher mon œil, j'avais peur de me faire mal, etc. Et à force d'en mettre, j'ai fini par arriver à trouver une méthode qui me permet d'aller super vite. Donc aujourd'hui on parle des cils Wake Up and Make Up. C'est une marque que je vous ai déjà présentée. C'est des cils avec lesquels je fais pas mal de mes vidéos puisque j'adore les utiliser. Donc là la boîte est vide puisque les cils sont sur moi. Mais je vais vous montrer comment ça se présente une boîte quand on la reçoit. Alors quand on reçoit des cils Wake Up and Make Up, on reçoit une boîte comme celle-ci. Donc ceux-là, c'est les doubles demi-wispy. Et ceux-là, c'est les dramatiques. Donc les dramatiques, c'est ceux que j'ai sur moi aujourd'hui, qui sont vraiment très jolis, qui ont un rendu assez naturel. Du coup, quand vous ouvrez votre boîte, donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez un miroir et vous avez les faux cils. Donc vous avez vos grandes bandes et les petites bandes à mettre dessous pour tout fixer. Du coup c'est parti, je vous montre tout de suite comment je fais pour appliquer les cils très rapidement et je vais utiliser la petite pince qui est donnée avec. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez vu que c'était super rapide. Franchement, j'ai pas galéré du tout. J'ai pris le coup de main. Le tout est de bien s'entraîner et de bien positionner les cils si vous voulez ne pas avoir peur et ne pas galérer à mettre la dernière qui est plus compliquée à mettre. Je vous conseille de commencer par ici en finissant par là et ça ira vraiment tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite un bon confinement et je vais essayer d'être très active pour que vous avez du contenu à regarder. Voilà, je vous souhaite de prendre beaucoup soin de vous. Faites vraiment le moins de déplacements possible. Faites vraiment attention à vous et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.